Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Assassin's Creed Rogue Remastered sur PlayStation 4. On attaque direct dans le vif du sujet, on tranche dans le vif comme on dit, voilà, phase bateau. J'ai voulu commencer ce gameplay par une phase bateau tout simplement parce que beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux joueurs ayant connu la licence Assassin's Creed ont commencé avec Origins où est-ce que les phases bateaux sont très peu présentes, voire carrément inexistantes. Du coup, voilà ce que les plus jeunes d'entre vous, pour ceux qui ont démarré la saga, ont raté, les phases bateaux. Rogue, c'est très très présent là-dedans. Il est situé chronologiquement entre Assassin's Creed 3 et Assassin's Creed 4. Nous sommes en plein milieu du 18e siècle. On incarne Shay Cormac, un assassin qui rejoindra l'ordre des Templiers. Et c'est entre autres pour ça que j'ai choisi ce moment-là pour le gameplay, car on va faire une mission... Et c'est à partir de cette mission que eh bien, des doutes vont commencer à subsister, à apparaître dans l'esprit de Shay. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à se poser des questions sur le pourquoi du comment. Est-ce que les assassins n'ont pas tort? Et est-ce que ce ne serait pas plutôt les Templiers qui sont dans le vrai depuis le début? Édité et développé par Ubisoft, sorti le 20 mars 2018. Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans, comme tous les autres Assassin's Creed. Et comme il s'agit d'un remastered, 14 sur 20, la note ne change pas. A savoir que Assassin's Creed Rogue était sorti déjà de base sur ancienne console en 2014, année de sortie de Assassin's Creed Unity qui lui était sorti sur console de nouvelle génération, et pour on va dire consoler les anciens joueurs qui n'avaient pas la nouvelle console de Sony ou de Microsoft, et bien Rogue était sorti pour essayer de compléter le vide que Ubisoft pouvait laisser lors de son époque, un an égale un nouvel Assassin's Creed à chaque fin d'un nez. Dieu merci, ils ne le font plus, c'est tous les deux ans, et c'est tant mieux, il a suffi de voir le bijou que nous a apporté Assassin's Creed Origins. Voilà, les phases bateaux, Assassin's Creed 4, Black Flag, qui était très très représenté à l'époque début 17e, enfin non pardon, plutôt fin 17e siècle, début 18e, âge d'or de la piraterie, les phases bateaux étaient très très présentes, et dans celui-là, il s'agit juste de la génération en dessous, au-dessus, pardon, et bien, voilà, ça reste quand même assez présent. Qu'est-ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure? En fait, j'attaque ce rafio qui est quand même assez solide, enfin, c'est pas trop tôt, on va pouvoir l'aborder. Voilà, je voulais vous montrer une phase bateau abordage, et ensuite, on va s'attaquer à cette fameuse mission que je vous ai brièvement... narré. Alors, tu es 10. Ouais, il en faut 10. 10 de l'équipage. Donc on va aller. On va voir ce qu'ils valent. A savoir que généralement les bateaux que vous affrontez dans les Assassin's Creed, plus ils sont coriaces, plus l'équipage sera difficile à buter. Vous aurez ensuite deux choix qui s'offriront à vous. Soit de réparer votre bateau, soit de démanteler le navire que vous avez abordé. A savoir que si vous le démantelez, vous récupérez non seulement des ressources, mais en plus de l'argent. Si vous voulez réparer uniquement votre bateau, les ressources vous en avez, certes, mais vous faites main basse sur l'argent qui vous sera proposé. Là, on se retrouve avec, par contre, du très vieux gameplay, du coup. On n'a plus trop l'habitude d'avoir les anciens gameplays de Assassin's Creed. C'était un point négatif, parce que... Enfin, le gameplay des Assassins, c'était toujours un petit peu bateau. Il fallait quand même savoir vraiment s'y habituer avant de... Ouh, du coup, il est en train de m'enchaîner. Voilà. Ça, c'est la méthode du lâche. On utilise un flingue directement. 4 sur 10. Du coup... Ouais, voilà, c'est l'ancien gameplay des Assassin's Creed, on oublie ce que vous avez pu voir sur Origins, c'est vraiment le gameplay des anciens. Et d'un certain côté, bon voilà, il était jugé comme un point négatif parce que le gameplay était un petit peu... Ah, il était mâché, c'était un petit peu... Bon, ça se voyait que ça laissait à désirer. Et puis au final, j'ai envie de vous dire que pour ce Rogue Remastered, après qu'on ait touché à Origins... Eh bien moi je le transforme en point positif car c'est plus la nostalgie qui parle et c'est un gameplay au final qui, quand on a l'habitude des anciens, ben on n'oublie pas ce gameplay là. L'autolock, le contre avec rond, carré pour attaquer, les enchaînements entre tous les ennemis une fois que vous avez réussi ne serait-ce qu'à contrer une personne, vous êtes en mode unstoppable quoi, c'est vraiment génial. Et ça franchement, ben, d'un certain côté ouais ça m'a un peu manqué.
Donc voilà, parmi tout ça, ces nouveautés, les phases bateaux, ce gameplay, le graphisme qui est pas dégueulasse pour un remastered sur PlayStation 4, je joue sur Pro pour information. Franchement, c'est très propre, c'est lifté et à la fois ça reste quand même assez lisse et fluide. Donc ça, c'est aussi un point négatif. Un point positif, pardon. Donc voilà, le bateau a été détruit. Donc voilà, j'ai préféré donc du coup réparer mon rafio parce que j'ai quand même pas mal souffert. Donc là du coup il va falloir que je me rende à ce point d'exclamation que vous voyez, je suis à 300 mètres de cette mission. Et donc du coup je pense que je vais scinder ma vidéo. On va aller directement, bon mais du coup les voir, ils vont me donner cette mission. Merde. De là à me heurter sur le rivage. Je vais passer les phases de dialogue pour éviter quand même que cela vous spoil si vous avez envie de prendre ce jeu qui coûte moins de 40 balles vu qu'il s'agit d'un remastered. Et pour information, il vous occupera seulement, je dis bien seulement, une toute petite dizaine de gigas sur votre système PlayStation 4. Encore une fois, je ne sais pas pour la Xbox, mais pour PS4, ce sera même pas 15 gigas, il vous occupera, et ça, c'est plutôt sympa. Je crois que personnellement, moi, je suis à 10, et quelques. Après, ça dépend après pas des mods, mais dans les boutiques Helix, Ubisoft, etc., tout ce qu'on va rajouter, ça peut faire augmenter la capacité. Des assassinats pendant qu'on court, enfin quand il les embroche, c'est d'une violence, mais c'était tellement jouissif de faire ça. Franchement, moi ça me fait vachement plaisir de revoir un vieil Assassin's Creed, et en plus c'est un que je n'avais pas fait, vu que je ne l'avais pas fait sur PlayStation 3, vu qu'une fois passé sur PS4, je n'achetais plus aucun jeu de PS3, j'avais mis mon ancienne console au placard. Toi, on s'en lasse pas, c'est trop bien. Bon, du coup, je vais activer cette mission, je scinde la vidéo et on va repartir de suite après la séance dialogue. Alors, séquence dialogue terminée, je repars enfin pour ma mission. Ma mission sera en fait d'exécuter une personne portant le nom de Washington. Oui, bande de petits malins. Pas le Washington que l'on connaît tous, mais son frère, Lawrence Washington. Donc il y aura pas mal, du coup, comme dans tous les Assassin's Creed, des personnages historiques, forcément. Oula, je rentre dans la zone, mais elle est pas mal surveillée. Putain, quand je te demande de tourner, tu tournes, Rafiol. Ah, les fameuses... Mon Dieu, ça, j'avais zappé. Ce sont les phases de... en gros, de filature. Il va falloir que je reste discret et que je suive ce bateau en question, marqué d'un point jaune. Ah, c'est vrai que ça appartenait aux anciens Assassin's Creed, on l'a pas trop vu dans l'Origins. Ah, c'est cool de refaire des anciennes missions. Franchement, c'est vraiment le jeu de la nostalgie. Hein. Ça va vraiment vous guider tout au long du jeu. Si vous préfériez le Origin par rapport aux anciens, c'est normal, franchement, parce que tout est neuf et le gameplay est juste génial. Il a été vraiment très bien pensé. Mais si vous avez, en gros, un petit peu la corde nostalgique qui vous guide, celui-là va vous tenir en haleine tout le long. Clairement, il est vraiment, vraiment sympa. Et son 14, il le mérite, même si je trouve que, bizarrement, il a une note plus faible que tous les autres. Vu qu'en 2014, Unity sortait, et lui, il a chopé 17. Alors que le Unity, lui, ne m'a pas plu, mais pas plu du tout. Réellement, je trouvais qu'un Assassin's Creed sur deux, c'était un peu de la merde, quoi, en fait. C'est... On ne passera pas. Shay, il faut suivre ce dernier terre. Il va falloir que je le suive à pied, à cause du blocus. Oui, ouais, voilà. Assassin's Creed 4, je l'avais kiffé. Le 5, je l'ai pas aimé, le Unity. Le 3, avec Connor, pas du tout. Et après, le Syndicate, le 6, par contre, j'avais kiffé. Les frères, les jumeaux Fry, ils étaient vraiment cool. Donc, celui-là, franchement, il est bien. Il fait une transition et c'est très, très agréable. Donc, voilà, parmi les personnages historiques, voilà, il n'y a pas que Washington. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes comme Benjamin Franklin. On est en plein milieu du 18e siècle, forcément, en 1700 et quelques, c'est l'époque. Mais après, d'anciens personnages que vous avez pu côtoyer dans les Assassin's Creed. Si vous avez fait Assassin's Creed 4 Black Flag, et que vous avez fait notamment le DLC Freedom Cry, vous incarnez, si vous vous rappelez bien, Adewale, l'assassin noir, que l'on incarne l'esclave qui arrive du coup à s'échapper de cette colonie et à,
et en gros à affirmer l'indépendance du peuple noir partout en fait dans les Amériques et surtout chez les assassins, quoi. Il s'est vraiment fait connaître grâce à ça, en libérant bon nombre de colonies. Et bien lui, vous le recroisez, bon, il est plus très en forme, quoi. Il est plutôt vieux, parce que celui-là, comme je vous ai dit, comme il se passe entre le 3 et le 4, ben là on est vraiment, enfin, on sent qu'il est, à dévoiler, il avait plutôt l'âge de Edward Kenway, le fils d'Edward, Haytham Kenway, que l'on pourchasse avec Connor dans le 3. Ben là, on est à l'époque de Haytham, en fait. Voilà. Là, on Oui. est à la même époque que le fils du héros du 4. C'est pour ça qu'il est un petit peu vieux. Allez, viens par là, toi. Après, ça reste pareil. De toute façon, si vous avez l'habitude des anciens Assassin's Creed, celui-là ne va pas vous apprendre grand-chose sur les nouveautés. À vrai dire, il aurait pu sortir avant Origins. D'ailleurs, il est sorti avant, mais il aurait pu sortir sur PS4 et donc avoir du coup la retombée qu'ont tous les Assassin's Creed et être beaucoup plus joué par tous les fans de la saga, plutôt que délaissé comme les joueurs tels que moi qui ont préféré jouer qu'à la PS4 une fois qu'ils l'avaient. En délaissant les jeux PS3, et bien à ce moment-là, on aurait pu dire oui, c'est un jeu qui est assez redondant, il n'y a pas de nouveauté. Et au final, en fait, la seule nouveauté, résultait dans le fait qu'il était juste un assassin qui devient un templier. On affronte en gros les personnages que l'on incarne depuis 2007, année de sortie de Assassin's Creed 1 sur PlayStation 3. Donc il est loin le temps d'Altaïr, certes. Dans le monde IRL de Assassin's Creed, vous incarnez du coup le développeur qui travaille justement, vous savez, pour Abstergo, qui sont passés du coup pour les développeurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, celui qui a son petit codec dans la main et qui travaille dans une entreprise de développement de jeux vidéo, Ubisoft, quoi, voilà le gros clin d'œil. Donc du coup, voilà, on réincarne cette personne IRL, et moi je trouve ça assez intéressant parce que côté IRL, après Desmond Miles, c'est vrai qu'on avait perdu ce petit côté, on incarne quelqu'un en dehors de l'Animus, et cette personne-là m'intéressait fortement, et donc du coup c'est lui que l'on incarne dans le Rogue, et donc ça pour moi c'est tout bénef, quoi. Alors j'arrive pas à escalader, c'est génial. Les DC Sparta quand ils sont proches du rebord, mais qu'est-ce que c'est jouissif ça. À savoir que vous pouvez toujours, une fois que vous avez tué la personne, vous pouvez fouiller la personne qui est au sol, etc. Là par contre, il fallait rester appuyé sur la touche, on n'est plus comme dans le Origins, on ne passe pas à côté du loot et ça se récupère automatiquement, il faut forcément interagir, comme ils disent, interagir avec l'action qui vous est demandée pour pouvoir récupérer le butin. Eux, comme ils sont un peu gros, voilà, je préfère. Ils ont une garde qui est beaucoup plus puissante. Donc eux, c'est que du carré. Ceux qui ont la double dague, faut d'abord les esquiver. Et le plus gros, il faut lui faire une brise-garde. Voilà. Voilà. La première n'avait pas marché. Et je vais enfin pouvoir récupérer ce qu'il y a dans ce paquet. Alors. Qu'est-ce que c'est? Un fusil. Le fameux fusil avec lequel on voit Shay Cormac sur la jaquette du jeu. C'est le fameux fusil à fléchette anesthésiante. C'est prodigieux. Il ne fait aucun bruit. Merci pour ce cadeau, Master Washington. Donc en plus des pistolets, des fumigènes, on a maintenant notre fusil qui ne fait absolument pas de bruit vu qu'il tire voilà des petites une bien fléchettes. Étrange Et ça, c'est surprise. cool. Maintenant, Donc voilà, une fois endormi, vous n'avez qu'à après les exécuter au sol parce que franchement, le somnifère ne dure pas très très longtemps. Donc après, c'est à vous d'agir en conséquence, ou vous prenez la fuite, ou vous attendez qu'il se réveille, ou vous le butez dans son sommeil tout simplement. Oh merde, un sniper. Fais dodo. Alors attendez, là est-ce qu'il va tomber? Voilà.
Faut attendre qu'il soit complètement... Bon, il est mort directement. Faut attendre qu'il soit complètement endormi pour que le ragdoll s'active. Sinon, pendant qu'il chute, ben, ils ont une chute prédéfinie. Et peu importe l'endroit où il se situe, ben, il marche dans le vide, comme vous avez pu le voir. Bon, après, ça reste un ancien Assassin's. Faut pas oublier que celui-ci, c'est un remaster d'un Assassin's Creed qui a 4 ans. 4 ans, c'est pas rien, du coup. Donc, pas mal de problèmes, de bugs ont été corrigés depuis. Il y a une petite synchronisation, en souvenir du bon vieux temps. Avec ses nous qui volent autour de nous. Bon après il serait vachement vieux c'est nous par contre s'il s'agissait vraiment de cet aigle là. Pour info c'est nous c'est l'aigle qui accompagne Bayek dans Assassin's Creed Origins. Et d'ailleurs pendant que j'en parle heureusement du coup ça je peux le caler du coup on a la fameuse vision de l'aigle qui revient avec seulement la pression de la touche L3. Et du coup on n'a plus besoin de faire appel à cet aigle qu'on avait dans Origins. Mais pourquoi tu te barres? Reviens. Voilà. Je vois des mecs derrière moi, mais enfin, le mur le cache. On va profiter pour les deux. Tac, la double élimination. Connue de Assassin's Creed 2, forcément, avec les doubles lames secrètes de Ezio Auditore. Mon frère, ne devrais-tu pas déjà être... Donc là, voilà, là on voit en fait, donc du coup, ma cible. En compagnie de son frère qui n'est d'autre que George Washington, c'est celui qui porte la tunique rouge que vous voyez à gauche. Et bon, ben, j'ai passé la première séquence dialogue, donc allez, je scinde aussi, on évite le spoil. C'est à peine si Washington. Bon, il est temps d'éliminer Lawrence Washington Carter. Prêt à assassiner un mourant. Donc après, bon, il y a des objectifs optionnels, mais bon, généralement, j'ai l'habitude de terminer Assassin's pour refaire le jeu, afin de faire, ben, du coup, le platine, s'il m'en prend l'envie. Comment y accéder? En plus, l'autre, il me voit. Oh, la petite oucase. Ouais, on va aller dans le truc de foin. Ouais, allez, on va le buter. Hop, voilà. Bon, par contre, je vais être dans la merde. Tu arrives trop tard. À la fin. Il n'est jamais trop tard pour ruiner vos plans, Master Washington. mes plans sont déjà en marche. J'attendais même ta venue. Elle donnera à mes alliés le temps de fuir. Merci de m'accorder une fin rapide. Et merci de m'avoir livré tes véritables desseins, sinistre serpent. Donc, ok, bon, après on me conseille la bombe fumigène du coup pour se barrer, forcément. Vu que là tout va me tomber dessus. Ça par contre j'ai décidé de vous le laisser parce que c'était justement cette mission que je trouvais intéressante. C'est la première où est-ce qu'un templier est en train en gros de brièvement toucher un petit peu Shay. Et que plus de temps il va faire des missions en fait du côté des assassins, plus le doute va commencer à subsister et persister dans son esprit pour rejoindre la confrérie des templiers. Donc voilà, c'était quelque chose assez intéressant. Maintenant, il faut que je fuis. Du coup, faut retourner sur le Morrigan. Putain, il a perdu autant de vie que ça. Ça va vite. Alors les deux. Voilà. Hop là. Putain, mais arrêtez de lui tirer dessus, hein, mon bateau, quoi. Il vous a rien fait. Oh putain, en plus j'ai raté le truc. Oh ça va, je devrais y arriver à temps quand même. Oh,
Il la perd trop vite. Non, mais je vais y arriver. Attends, on est d'accord. Oh non, il a plus de vie. Mais allez, oh, j'y suis dessus. Oh, merde. Bon, quitte à abuser des fondus enchaînés pour passer les séquences de dialogue, j'en profite du coup, je me suis remis pile poil sur le bateau, est-ce que j'arrive au bon moment sur le Morrigan. Mais pour information, il a toute sa vie là actuellement, enfin bon là je viens d'en perdre, mais je suis arrivé alors que sa vie au Morrigan était encore au rouge à mon deuxième cut, ce qui fait que du coup en fait il suffisait d'aller dessus et on aurait pu s'enfuir, franchement c'était à une seconde près. Je me fais affuser de partout, c'est incroyable. La zone est complètement rouge, c'est surveillé de partout, c'est une horreur. Oh bordel. Oh mince, la zone rouge quoi. Moi je vais partir en haut à droite du coup. Et mon but après sera du coup de m'enfuir. Et une fois que j'aurai quitté cette zone rouge, j'aurai terminé la mission. Et je pense d'ailleurs tout simplement du coup que je vais m'arrêter là. Je pense que pour un gameplay test découverte de Rogue Remastered, une séquence bateau plus une mission assez importante vu qu'il s'agit de la première où est-ce que les Templiers s'affirment en essayant de semer le doute, le trouble dans l'esprit de Cormac pour du coup qui penche du côté Templier, pour qu'il penche dans la balance. Ça reste une mission assez intéressante et je pense que du coup ça va suffire pour... j'espère que ça vous aura surtout suffi pour vous mettre en haleine et vous donner l'envie d'acheter ce Remastered. En tout cas, moi franchement, il me fait kiffer et j'y joue vraiment sans lassitude. J'espère du coup que ce test gameplay vous aura bien plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo gameplay. Portez-vous bien tout le monde et à ciao. Tu as l'air déçu.